En fait, c'est le problème que rencontrent la plupart des entrepreneurs. Et il faut retenir quelque chose. Lorsqu'on cherche de l'argent, on ne gagne pas d'argent. Lorsqu'on cherche de l'argent, on ne gagne pas d'argent. Si votre objectif, c'est de gagner de l'argent, vous n'allez rien gagner. Ou alors, ce que vous allez gagner sera tellement faible par rapport à ce que vous souhaitez gagner. Pour gagner de l'argent, il faut que le premier objectif ne soit pas gagner de l'argent. Et ça, c'est aussi un problème de conception. Et il faut concevoir que ce que je fais, ce n'est pas en premier pour gagner de l'argent. Parce que quand c'est en premier pour gagner de l'argent, on passe à côté de ce qu'il faut faire pour gagner plus d'argent en travaillant moins. Je vais prendre un exemple. Supposons que je veux vendre une formation. Vous êtes dans cette salle. J'ai une formation qui coûte 10 000. Moi, je ne vais pas essayer de vendre la formation à tout le monde. Ça ne sert à rien. Dans ma conception, je vais me dire, je vais le rencontrer, lui. Je vais le former gratuitement. Je vais l'accompagner gratuitement. Je vais me battre pour qu'il ait des résultats en un mois. Je vais me battre pour amplifier ses résultats. Et quand il va avoir des résultats, ça va entraîner un effet boule de neige dans son environnement immédiat. Et ceux qui sont dans son environnement vont vouloir savoir comment il a fait pour changer. Et quand ils vont lui poser la question, il n'aura qu'un seul mot. Va voir tel. Suis telle formation. Fais telle chose. Et il suffit juste qu'on dise à ces personnes-là que ça coûte 10 000 pour que ces personnes payent 10 000. Vous voyez la différence entre faire ça et réunir tout le monde et dire que je vends la formation à 10 000. C'est un problème de conception, hein. C'est un problème de conception. Ça veut dire qu'on a eu le même produit, mais on ne conçoit pas les choses de la même façon. Et vous voyez que moi, en prenant une personne et l'accompagnant pendant un mois, ça me fait dépenser moins. Puisque je vais dépenser quoi? Moi, je n'ai pas besoin de faire de marketing. Je n'ai pas besoin de communiquer. Je n'ai pas besoin de faire le tapage partout. J'ai juste besoin que lui, il ait des résultats. Et comme lui, il est dans le besoin et que je lui offre ça gratuitement, lui, il est content de bénéficier de ça gratuitement. Et quand je l'accompagne et il a les résultats, ça crée directement un effet chez les autres. Qui, eux, veulent savoir comment lui, il a fait. Sauf que les autres, je ne vais pas les accompagner gratuitement. Les autres, ce sera payant. 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, 500 000, 1 million. Et en fonction de la personne qui viendra, le prix sera différent en fonction de ses spécificités. C'est un problème de conception. Dans la conception, je peux le suivre en ligne. On n'a même pas besoin de se rencontrer physiquement. Je réduis encore les coûts. Ça veut dire qu'on ne se rencontre même pas. Et l'effet sera le même en dépensant moins. Alors que l'autre va dire que start-up là me perd du temps. Ils bavardent trop. Ils font les talks chaque jour. Moi, je préfère aller choquer sur le terrain. Pour lui choquer sur le terrain, veut dire quoi? Gars, j'ai une formation là, c'est 10 000. Trop cher. J'ai une formation qui va changer ta vie. C'est 10 000. Quand il te voit, toi-même, ta vie n'a pas changé. J'ai une formation, c'est du lourd. 10 000. Tu me prends pas 2500. Gars, il te dit 10 000, tu dis 2500 comment? J'ai d'abord dépensé combien pour venir te voir? Non, je vais écrire mon nom la semaine prochaine. Là, il est en train de croire qu'il choque sur le terrain, n'est-ce pas? Sauf qu'il perd du temps. Il perd en crédibilité. Parce que toutes les personnes qu'il rencontre, il laisse une mauvaise image à ces personnes selon laquelle il est en train de vendre quelque chose qui n'a même pas apporté de résultat sur lui-même. Ça veut dire que plus il rencontre de gens et plus il perd en crédibilité. Plus il rencontre de gens et plus il perd en temps. Plus il rencontre de gens, plus il perd en argent. Parce que chaque rencontre, chaque discussion, c'est un coût qu'il est en train de perdre. Quand il va rencontrer tout le monde dans cette salle, il aura un fichier. J'ai rencontré 50 personnes aujourd'hui. C'est vrai que je n'ai effectué aucune vente, mais le Seigneur veille. Le lendemain, il va encore rencontrer 50. Après 50, après 50, après un mois, il aura rencontré 500 personnes. Il aura effectué 2 ventes. Il va dire, ça va mordre un jour. Il faut juste continuer. Et voilà comment il va s'époumoner. Et ça fait 500 personnes chez qui il aura une crédibilité qui a diminué. Et c'est après un mois,
deux mois, six mois, qui va se rendre compte qu'il perdait du temps. Alors qu'il aurait juste fallu qu'il vienne pendant un événement comme ça. Il présente son projet pendant un brainstorming et quelqu'un lui dit non, ce que tu veux faire n'est pas pertinent. Pour telle raison, telle raison, telle raison. Fais plutôt ça. Et tu auras tel résultat. Parce que moi, je l'ai déjà fait 10 ans avant, 5 ans avant, 3 ans avant. C'est ça la conception. La conception doit être l'activité qui vous prend le plus de temps. Et on ne conçoit pas seul. Parce qu'on n'est pas suffisamment intelligent pour penser à tout. Est-ce qu'on comprend ce que c'est que la conception? Est-ce qu'on voit l'important de devenir un talk? Parce que vous avez l'impression que le talk c'est pour les étudiants, c'est les gens qui n'ont rien à faire, qui perdent du temps. Non, c'est vous qui êtes en train de perdre du temps en rencontrant tout le monde sur le marché. C'est vous qui perdez du temps. Parce qu'il y a des gens qui ont rencontré des gens comme vous êtes en train de le faire avant. Et ils savent ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et ces gens sont à la Startup Academy ici. Et vous avez la possibilité d'entrer en contact avec eux et de savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Aujourd'hui, quand quelqu'un me donne sa profession et il me dit l'activité qu'il fait, je suis capable de savoir s'il peut s'en sortir ou pas. Je n'ai même pas besoin qu'il dise plus. Dès que quelqu'un me dit « je vends telle chose », je lui dis « ton capital c'est combien ?» Il me donne son capital. J'essaie de savoir quels sont ses objectifs. Il peut savoir si ça ne va jamais arriver ou s'il est sur la bonne voie. Ce n'est pas parce que je suis divin. C'est parce que je rencontre des milliers de personnes au quotidien qui font ces choses. Et on a déjà analysé des milliers de combinaisons pour savoir que dans tel type de cas de figure, il y a tel type de choses qui ne fonctionnent pas. Ou alors qui ne peuvent pas fonctionner au niveau que tu souhaites. Et j'aime souvent à le dire, nous sommes jeunes, la plupart des personnes qui sont ici. Ça veut dire que c'est le moment en or où il faut perdre le moins de temps. C'est le moment en or où il faut perdre le moins de temps. Quand on est jeune, on ne doit pas perdre du temps. Parce qu'il y aura un temps où on sera plus jeune. Il y aura un temps où on va commencer à parler de maladies cardiovasculaires. Il y aura un temps où on va commencer à parler de maladies métaboliques. On va commencer à vous dire que vous avez le diabète. Vous avez l'hypertension. Vous devez rencontrer votre cardiologue une fois par mois. Vous devez manger équilibré alors que vous n'avez même pas d'argent. Vous devez prendre 5 fruits par jour alors que vous n'arrivez même pas à manger normalement. Et là, ça devient plus compliqué. Alors qu'actuellement, on est jeune, on est étudiant. Parfois, on fait 2 cours par semaine, 3 cours par semaine. On a tellement de temps, mais on perd encore le temps précieux qu'on a. Et on croit qu'on est en train de travailler de manière efficace parce qu'on rentre fatigué chaque soir. Ce n'est pas parce que vous êtes fatigué après avoir travaillé que ça signifie que c'est efficace ce que vous faites. Je vous ai pris l'image de celui qui porte ses 10 sacs de ciment. Lui, quand il rentre le soir, mais ce n'est pas possible. Il faut d'abord chauffer l'eau. Dès qu'on chauffe l'eau, on va prendre le baume Saint-Bernard. On va finir tout un baume sur lui chaque soir. Il faut masser pendant au moins 1 à 2 heures. Lui, on ne peut pas servir sa nourriture dans l'assiette. Ce n'est pas possible. L'assiette, c'est pour faire quoi? On va prendre un plateau où il a sa petite marmite à la maison. Où c'est à l'intérieur qu'on sert sa nourriture. Quand c'est le couscous qu'on fait, mais ce n'est pas possible. Il aura au moins 6 boules pour l'entrée. En fait, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que voilà un gars qui croyait qu'il est en train de choquer. Mais en fait, quand on analyse même comment il récupère cette énergie, il dépense même plus que ce qu'il a gagné. Parce qu'une boule de couscous coûte combien? Et le sac qu'il porte à 25, ça coûte combien? Si on évalue le nombre de sacs qu'il a porté en une journée et la nourriture qu'il a mangée, peut-être même la nourriture la coûte plus cher que ce qu'il a porté toute la journée. Le baume Saint-Bernard, c'est combien? Le massage coûte combien? Si tu vas dans un bon institut, un massage d'1 heure, ça coûte combien? 20 000, le massage. Mais comme c'est sa femme qui masse, il croit que c'est gratuit.
Mais elle ne va pas rester le masser à vie. Puisque quand elle va se rendre compte qu'il n'y a plus d'argent, elle va aller masser quelqu'un d'autre. Donc, pour dire quoi? Pour dire qu'il faut faire très attention. Il faut concevoir de manière efficace pour que les actions soient plus simples. Concevoir, ça passe par rencontrer des personnes. Ça passe par participer à des événements. Ça passe par exposer même sa bêtise. Parce que quand tu fais un talk, tu prends le risque d'exposer ta bêtise. Parce que tu crois que tu sais. Mais quand tu te places devant, tu parles, tu vois les gens rire tout le temps. Après, tu te dis, mais attends, c'est moi qui suis con. Parce que chaque fois que tu parles, les gens rient. Tu as l'impression qu'on est en train de se moquer de toi. Mais on est en train de se rendre compte que toi qui croyais être intelligent, en réalité, tu ne racontes que des bêtises. Et le but, c'est de te choquer au point où tu comprennes que tu n'es pas suffisamment intelligent pour n'avoir plus rien à apprendre. On a toujours besoin d'apprendre. J'ai vendu mon lit, mon frère. J'ai arrêté de dormir, ma sœur. Et depuis ce jour, je me pose des questions. Je remets tout en question. Je suis né en Afrique de père et mère nucléaire. Eux aussi, ils sont nés de leur père et mère nucléaire. Dans mes veines coule le sang et les gènes de mes ancêtres. Tout à fait évident, je pratique le culte des ancêtres. Aujourd'hui, on me bat de religion, j'en rigole. Dieu par-ci, Jésus par-là, mais d'où sorti ces guignols? Oui, je sais que ça fait mal comme 400 ans d'esclavage. Ils ont tué les héros plus valeureux de nos villages. Merci, personne croit à tes rêves. Même si personne ne croit à ce que t'en faut rester toi-même, faut pas changer. Quitter sa culture est un danger. Reste toi-même, reste-t-il. Reste toi-même, faut pas changer. Reste toi-même, reste-t-il. Reste toi-même, faut pas changer. Wom wom la mia pino ya. Wom basa wom bulu mia ya. Wom bamun mia pino ya. Kokoku e wando mia ya, wom fefe, wom medumba ye, wom yamba, wom ausa mia ya, wom fufule de bing oyalo. Ils souffrent tous du syndrome de Stockholm et ça me fait mal. Jésus est blanc, Dieu est blanc, y'a que le diable qui est black man. Moi j'ai dit non à ce drame qui nous transforme en cobaye. Moi j'ai pas peur de vos flammes, pour moi ce n'est qu'un feu de paille. Même si personne croit à tes rêves, même si personne croit à ce que t'en tires, faut rester toi-même, faut pas changer, quitter ça.